Le chef d'état-major général des FARDC au pays, le général d'armée Célestin Mbala Moussensé, est de nouveau arrivé ce 23 mars 2022 à Bounia. Il vient évaluer les opérations militaires contre les groupes armés. Mais déjà, le porte-parole de l'armée en RDC se félicite des avancées significatives, selon lui, sur le plan sécuritaire enregistré en Ituri. Toutes les agglomérations, y compris la ville de Bounia, totalement sécurisées. Vous voulez quoi? C'est un bilan. C'est un bilan glorieux. Tout n'est pas terminé. Mais plus de 80% d'objectifs militaires, en tout cas, ont été atteints. À ce moment-là, nous disons, nous faisons le travail, nous rendons compte au peuple congolais, nous le faisons bien. Les écueils ne manquent pas, mais nous sommes en train de travailler pour que cela soit totalement rétabli. Pour accompagner la vision de pacification, il appelle à l'intégration dans l'armée nationale. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir sous le pays sous le drapeau. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, nous en avons besoin. Mais aussi des jeunes garçons. Dans cette province en état de siège, c'est la deuxième visite rapprochée du numéro 1 des FARDC après celle de novembre 2021.